Salut à vous, petite et grosse tentacule. Ben voilà un petit blabla du dimanche pendant que Morty fait sa sieste digestive, où je vais partir un petit peu dans tous les sens et finir sur un sujet que j'aime bien, les voyages dans le temps. Donc, commençons par le commencement. En ce moment, il y a le financement de Knoctroi. Ah, 5 Knoctroi, qui est en train de devenir un petit peu une institution. Les youtubeurs ricains ont parlé du financement de Knoctroi bien avant la sphère francophone. Et chez eux, ça devient vraiment un truc. Voilà, connu et reconnu, c'est un peu, c'est le fourre-tout bric-à-brac représentatif de la scène indé et des auteurs français qui sont en train de se faire une réputation mondiale de oulala. C'est, enfin voilà, il commence à avoir des comparaisons très Knock, c'est du niveau de reconnaissance Morborg. Hein. Voilà, on tape dans le grand. Donc je sais que dans la commune française, il y a des tas de gens qui font « Oh zut, c'est pas en français, ça fait chiant, on l'a sous le nez ». Bah ouais, mais grâce à ça, ils ont redoré le blason du rôlisme français au niveau international. Enfin voilà, donc très 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 bien joué de leur part. Moi je suis très très content et puis très fier de leur succès, même si je n'ai strictement rien à voir. Il y a que des grands noms qui ont participé au dernier. Certains d'ailleurs pas excessivement connus hors des sphères voilà semi-pro et des gens qui s'intéressent au background des choses. Mais il y a que du beau monde. Hein. D'ailleurs, je suis très fier de voir l'apparition de Ticoque dans les illustrateurs. Voilà, c'est une info secrète que j'avais depuis un petit moment que ça me brûlait les doigts. Mais non, c'est officiel, je peux le dire. Ticoque en illustrateur dans Knock 3. Puis sinon. LG, JB, Koba, enfin voilà, que du gros balèze, que du gros balèze. Donc voilà, Eric, Olivier, bravo à vous, hein, Knock, vous avez réussi à, voilà, à créer un label maintenant qui, voilà, qu'on a envie qu'on ait Knock 25, tellement c'est devenu un standard. Ils ont leur crowdfunding, ça a explosé les scores en deux temps trois mouvements, hein. Il devait avoir. C'était 4 000 balles pour que ce soit édité, genre en 24 heures, c'était à 60 000 balles, ils ont défoncé tous les paliers, enfin c'est the réussite, pop pop, enfin voilà, ce n'est pas une vidéo pour leur faire de la pub, ils en ont absolument plus besoin, ils sont très haut dans le game, très très haut dans le game, voilà, donc bravo à Knock, longue vie à eux, et j'oserais dire on n'a pas encore le 3, qu'on en a fantasmé sur qui va participer au 4, tellement c'est des regroupements de guedins. Voilà, Knock, ça c'était dit. Dans les autres petits éditeurs, que je voulais dire merci. OBA, voilà, j'ai reçu ça cette semaine. Bah, ça fait toujours bien plaisir, une petite carte de vœux. Enfin, c'est touchant. Donc, OBA, les éditeurs d'Imperium 5, jeu bah, qui est très, très bien, hein, quoi qu'il en soit. Enfin, de toute façon, je trouve les coupes de cette année qui ont été un peu amalgamées, coucou le chien, alors que c'est des jeux qui n'ont rien à voir. Bon. Bah, Nock, oui, Nuit, que je prononce mal, Imperium 5, ça n'a rien à voir, c'est deux jeux très différents, et tous les deux très très bons. Okimba, Sapiens, je vais pas reparler de Sapiens, et Sapiens, j'ai eu le PDF, Sapiens, c'est, enfin voilà, c'est nickel, c'est un travail, ils nous ont pondu ce qu'ils ont vendu qu'ils allaient pondre, et tout de qualité. Enfin voilà, faudra que je fasse une vidéo sur Sapiens, tellement Sapiens est une réussite. Voilà. Okimba, bah bon, je vais pas à chaque fois vous casser les oreilles avec Okimba. Je suis très fier de ce qu'on a fait, Ticoque, bravo à lui. Alors, on va aller traîner en Belgique d'ici quelques mois, un festof, on en reparlera en temps et en heure. Et sinon, bon, on va attaquer la pile, sinon je vais jamais m'en sortir. Hop, Kémy, je savais pas si j'allais faire une vidéo spéciale pour ou pas, en fait, tellement ce que j'ai à en dire est très très court. Si tu aimes l'Égypte, c'est une Égypte un peu fantasmée, hein, mais bah, voilà, dans le programme de base, on va te dire ce qui vient de l'archéologie qu'on est à peu près sûr, ce que l'auteur il a inventé. C'est un jeu de rôle donc sur l'Égypte. L'auteur c'est Cédric Chaillot, et puis on sent qu'il aime ça, et puis voilà, il s'est fait plaisir. C'est chez cette messe, donc c'est ceux qui sont derrière Nock, et c'est du très bon. Kémy, de toute façon, si tu veux jouer à l'Égypte, t'as la vallée des rois, t'as Kémy, hein, en gros, j'oserais dire que Kémy, c'est quand même un petit peu plus, enfin, c'est plus récent, ouais, c'est plus dense, et puis c'est mieux, voilà. C'est aussi lié à un roman que je n'ai pas lu, et puis Kémy est à l'Égypte, hein, en gros, ce que Worm est à la préhistoire, voilà. C'est un peu devenu, si tu fantasmes de faire un jeu de rôle au goût égyptien, bah, c'est ça qu'il te faut dépasser. Voilà, tu t'achètes ça, tu le lis, tu dis, oh, ok, ils ont réussi à faire ça. C'est le maître étalon à dépasser. Donc, Kémy, tout simplement, tu aimes l'Égypte, tu es rôliste, tu as envie de faire jouer dans de l'Égypte. Ouais, tu te mets à Kémy, tout simplement.
Que j'en parlerai pas maintenant, que je suis heureux. Ah, j'ai enfin la version papier, tout plaisir de Meute. Donc on en parlera un de ces quatre. Tatin. Tous les petits trucs que j'ai trouvés, que c'est pareil, que j'ai envie de vous en parler, que j'ai foutu la main dessus. Donc le kit de la couvée qui est très bon. Ferry Noir, bah ça en fait, hein, dans mes proches, j'ai un peu la pression pour en parler. Voilà, je l'ai. Voilà. Il faudrait que je fasse autre chose que du test bidon. Faut que je fasse une vraie partie, hein, pour vraiment avoir le goût. Mais Ferry Noir, moi quand je l'ai lu, je me disais, ah, il n'y a que le système de cartes qui me pose un peu question au niveau répartition, alias, machin. Ceux qui l'ont testé, ils trouvent ça très bien. Pour vous casser les oreilles avec du jeu en anglais très très narratif, avec des zombies partout. Ah, ça, je ne l'ai pas encore lu. On me l'a collé dans les mains, on m'a dit, tais-toi, t'as aimé Alien, voilà. Ça, c'est pareil, en mieux. Des règles plus mieux bien, que tout pareil, tu peux jouer Alien, mais que sans mieux. Donc il va falloir que je lise pour faire un retour. Et Thanatos, Thanatos, que je ne cesse de revenir dessus. Hein, voilà, quelque chose qui gagnerait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus connu. Ça, voilà, si vous faire un spécial vidéo, je mettrai les trompettes partout, puis j'hurlerai au génie. Hein. Thanatos, là on est dans de la prod indé française de très très haut niveau, que c'est du très très bon. Et que c'est vraiment pas assez connu alors que ça mérite, mais enfin 15 fois plus. Hein, c'est pour les collectionneurs, pour ceux qui aiment jouer du dark, hein, c'est voilà. Thanatos, quand vous voyez une vidéo qui sort avec 100 titres, ça va faire partie de ces vidéos. Je vais gueuler au génie de partout, puis je vais m'exciter tout seul. Ça, c'est du très très bon travail. On peut être fier de la scène indé française. Que je suis allé dans tous les sens, que je ne sais même plus où j'en suis. Ah oui, tiens, parlons de la scène indé française. Je suis content, j'ai remis la main sur Sombre. Je vais pas refaire des vidéos 15 millions de fois sur Sombre. Mais faudra que je réécrive un truc dessus, hein, sur donc Geek Tribe, le site de Geek Mag. De temps en temps, je fais des petites choses, puis je m'amuse à faire un petit peu le clin d'œil à ce qu'est le mieux de la prod indé française à mes yeux. Et bah, Sombre ne peut y échapper. Hein. Ça faisait un moment que je recourais après le numéro 1. Enfin, bon, on s'en fout de ma vie. Ça pour dire, Sombre, c'est bien, Sombre, voilà, Sombre, c'est très bien. On ne cessera de le répéter. Et ta-ta-ta, le coup de pub du jour sur toujours de la scène, un petit peu connu, méconnu, pas assez. Enfin, il y a du vrai, vrai indé, il y a de la petite boîte. Ça, c'est pareil, il va falloir que je vous les compare. Hein. Je vous disais, ces univers qu'on agglomère vite en se disant, ouais, c'est à peu près du pareil, lequel des deux jeux je vais prendre. Donc, en fait, ils sont pas du tout pareils. Hein. Imperium 5, Nock, Sapiens, Okimba. Et ben, là, on a Lore et Legacy qui n'est pas pareil du tout que Vivère. Alors que c'est deux jeux qui ont l'étiquette en fait science fantasy. Bon, déjà la grosse différence, hein, dans l'un, tu as accès à l'espace, dans l'autre, tu es plus sur ta planète. Les deux mélangent de la technologie, des éléments made fan. Et les deux sont très très bons. Bon, alors, j'avoue que dans ce que j'ai bien bien lu, pour l'instant, il n'y a que le livre de base de Lore et Legacy que j'ai vraiment adoré. C'est ça le livre de base de Vivère, en fait. Le gros truc, là, ça c'est son supplément univers de Gueudin. Et Vivère, bah, c'est pareil. Hein. Ça fait partie des trucs que mon entourage il me met la pression pour me dire, mais tu le lis, tu le joues et tu en parles, gros niais. Donc oui, les copains, j'ai mis la main dessus et puis on en viendra à parler de Vivère. Et en plus, c'est vrai, c'est... Ces deux prods françaises de science fantasy qui ont un suivi de qualité. Pour Lore et Legacy, en fait, un suivi très très bon. Ça, c'est l'Almanach 2020. En fait, ils sortent régulièrement, mensuellement, en dernière nouvelle, bah, en fait, 12 pages, un petit peu, voilà, un petit peu plus pour leur jeu. Et puis, bah, Vivère, quand ça sort, c'est des écrans de qualité, et puis des suppléments de qualité. Donc, ça, c'est pareil. Hein. Faudra une vidéo des deux parce que c'est du très très bon. Retenez juste que si vous cherchez quelque chose qui soit dans la science fantasy, vous avez Lore et Legacy en relativement simple d'accès, parce que bah, au final, hein, c'est un monde avec, voilà, il y a du secret technologique, il y a de la magie, ça sent bon. Et Vivère qui est quand même un univers un petit peu plus complexe, un petit peu plus grand, bah, tout simplement parce que déjà, t'as l'exploration spatiale, et puis tout ça. Et puis bah surtout parce que bah il y a un atlas qui est là, qui est sorti. Enfin, le livre d'univers, il est dense. Voilà. Il est dense, il est épais, puis il donne à manger. On en vient. Ouais, j'aurais pu faire une transition, on s'en fout. Hop. Dragon, bah faudra que je fasse comme tout le monde, faudra que je fasse une grosse vidéo retour sur Dragon, comme ça je ferai des vues. Mais alors pour de vrai, bah, j'ai peu de choses à dire que vous n'ayez pas entendu ailleurs. Un, c'est super beau. Voilà.
De effectivement la grosse différence entre tu te prends les quatre de Dragon ou tu te prends la trilogie de DD5 et un autre univers, c'est que bah, dans Dragon, l'univers il est déjà dedans et que ça se sent. Exemple tout con, tu prends le livre des créatures. Alors il y a des gens qui vont dire ouais, c'est un manuel monstrueux où il y a moins de monstres que dans celui de DD5. Bah ouais, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ils sont vachement plus développés. Voilà, c'est simple. J'avais noté pour une vidéo toute pourrie, j'avais faite que je ne publierai pas. Sur créature, par exemple, tu as l'exemple, le démon de glace, là, je sais plus comment il s'appelle dans DD5, celui qui ressemble à un tricrine bleu. Bah, quand il est traité, ah, putain, je mets pas les bons barques, bah, enfin, quand il est traité dans DD, c'est une page où tu as le dessin, et puis voilà. Quand il est traité ici, bah, c'est à une pleine page pour le dessin, tu as le même bloc de stats. Mais en plus, bah, tu as des trucs qui le lient au monde, tout simplement. Et c'est pareil pour tout. D'ailleurs, tiens, si, quand même. Par rapport à créature, moi, le truc que j'ai vraiment aimé, bah, c'est le passage que je me suis gardé pour moi-même, là. Il y a les deux petits feuilletés, en fait, c'est toutes les steppes, ce qui correspond un peu aux steppes dans cet univers, le territoire de Cannes, où, en fait, bah, tu as des. Enfin, c'est le livre DD que j'ai vu le mieux traité, tout ce qui était peau verte et compagnie. Voilà, les kobolds sont excellents, les orques sont excellents. On a ce côté la horde dans Warcraft, à savoir que, bah, en fait, bah, ils sont moins sauvages. Hein. Mais oui, ils sont. Je vais pas dire chamanisme, mais s'il y a de ça, enfin, voilà, ça sent les steppes, ça sent la nature, ça sent la sauvagerie. T'as l'impression que c'est ouais, c'est les steppes de Mongolie à la sauce dragon avec des peuples que. Bah, quand on peut les jouer, c'est souvent juste comme anti-héros ou comme petites victimes, alors que là, bah, ils ont complètement une classe et une noblesse. Donc en fait, de cacher dans créature, t'as en fait le meilleur supplément, selon moi, d'aider tout confondu à ce jour, de trucs pour jouer des peaux vertes avec dignité. Voilà, avec un cadre de jeu et avec dignité. Et ça, je me permets d'être lourd dessus, parce que je l'ai pas beaucoup entendu, justement. Alors que je trouve que c'est vraiment excellent, quoi. T'as un exemple des troupes, hein, parce que bon, c'est un truc de créature, donc il faut pouvoir donner des monstres à tes joueurs, mais surtout, c'est présenté à chaque fois comme des races à part entière. Voilà, ça c'est un orque. Ah ouais, là, on est loin du barbare à deux mains qui pète une durite. Hein. Non, non. Un orque en pleine méditation qui a la classe, avec tous les traits des orques, enfin, les exemples, mais t'as la même chose avec les kobolds, t'as la même chose. Ça pareil, c'est un kobold. Il est beau, il est classe, il est respecté. Donc si comme moi vous êtes toujours dit j'aime bien les peaux vertes et j'en ferai bien autre chose que juste des sacs d'XP pour PJ, donc créature, vous avez vraiment tout un passage qui fait que bah ils ont enfin des traits pour en faire des personnages jouables qui tiennent la route. Le grimoire, j'avais déjà dit tout bien que j'en pensais, bah ça reste un des meilleurs suppléments magie pour DD, hein, voilà, ça c'est fait. Et parlons de ce qui fait que Dragon a son goût. L'encyclopédie, bah, ils n'ont pas fait le choix en fait de te mettre l'univers que là-dedans, et puis tout le reste il en est exempté justement. Tout le reste comprend des morceaux d'univers et tout est remis voilà, en lien par rapport à ça. Alors certains pourront dire oui, on n'a pas tous les secrets. Et c'est vrai, je fais partie de ceux qui restent sur la fin en termes de. Il y a plein de choses que tu vas lire à droite et à gauche que tu fais, il faudrait en savoir plus. Et je pense à venir dans les suppléments, dans les aventures, hein, ils s'en sont un peu gardés sous le coude. Mais par exemple, il y a un labyrinthe mystico-cosmique fait par les voyageurs, le peuple qui était là avant, qui se sont foutus sur la gueule avec les géants et que bah, du coup, voilà, ils sont plus là. Mais on des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont venus bien modifier le monde des Anas. Il crée en fait sur la Lune un labyrinthe ultra mystique chelou que quand t'en arrives au cœur, tu fais un souhait divin. Et il y en a un, il est devenu Dieu grâce à ça. Ouais, c'est leur traitement des démons. Ah, les démons, en fait, c'est des armes qui ont été créées, et ça a pouillé, enfin, ça a pourri une des lunes qui tourne autour. Après, bah, l'encyclopédie va suivre la présentation en fait de bouquins des créatures, ce qui fait que, bah, que le monde il a encore beaucoup à explorer. Hein. T'as quelques zones, t'as une grosse ville, Villefranche, et puis t'as les territoires du Cannes justement qui sont bien développés. Après, c'est une manière de les expliquer où justement à chaque fois on va suivre ce cheminement géographique pour les monstres, pour les infos. Donc t'auras pas du tout de passage type les encyclopédies d'ADD où
Au début, tu vas avoir tout ce que tu es censé savoir de la vérité du début, plus la vraie cosmogonie, plus. Il y a des tas de choses, on se dit, il y a encore plein de trucs bien louches dans cet univers. Enfin, c'est un univers qui, au niveau ne serait-ce que des plans astro, ne respecte pas du tout l'ergonomie habituelle de ce qu'on dit dans des D5 et qu'on fait leur propre trip. Donc en fait, Dragon, à chaque fois que je vais en parler, ce sera pour en dire du bien, mais tout le temps, le truc de fond, c'est va falloir. Si vous cherchez quelque chose qui est du type boîte à outils pour construire vos propres univers, des D5 est mieux, tout simplement, parce que tout ce que va t'apporter Dragon, c'est des trucs en plus que tu n'auras pas besoin, parce que c'est des trucs en plus qui est lié à leur univers. Et la place que prend ce développement de trucs qui fait que les éléments des D5 qui sont repris sont intégrés à un univers, et puis à toute une écologie, une géopolitique, machin de fait, tu n'en as pas besoin quand tu crées ton propre univers. On va être clair, l'univers des. Ou alors comme source d'inspiration. Ce que tu vas chercher, toi, c'est des outils pour créer ton univers. Je voudrais dire, des dessins, c'est sa fonction. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'univers dans le triptyque de base, en fait. Hein. Donc bon. Et là où on va me dire, oui, mais il suffit de rajouter une encyclopédie. Ce qui est vrai, ouais, il suffit que tu rajoutes une encyclopédie. Mais le manuel des monstres lié aussi à cet univers, parce que du coup, les monstres, il faut leur donner le goût de l'univers. Souvent, le supplément magique qui va avec, enfin voilà. Tout ce qui est déjà compris dans Dragon. Après, effectivement, Dragon, son point fort, c'est aussi son point faible, il est avec ses univers inside. Voilà. C'est comme Pentium, Dragon, il est pas fait pour que tu le prennes puis que tu mettes Eanna à la poubelle. Enfin, c'est pas. À la rigueur, le seul bouquin sur lequel je vous incite à faire ça, genre si t'en as rien à foutre Dragon puis de l'univers d'Agathe, c'est parfaitement ton droit et c'est les goûts, les couleurs. Par contre, le grimoire reste intéressant, tellement il amène des trucs sur la magie assez sympa, certains en lien à Eanna, mais enfin, par exemple, tout ce qui est la corruption, enfin le champ, que ça peut vraiment être utile dans des tas d'autres univers. Pour le reste, même le bouquin des créatures, pour Eanna, il est plus intéressant que le manuel des monstres. Si t'en as rien à foutre d'Eanna, j'oserais dire, apparaître l'exemple tip-top de ce que tu dois faire pour transformer les monstres des D5 type en des monstres pour ton univers, ça ne sera pas utile. Enfin, ça sera utile, voilà. En exemple de, c'est ça qu'il faut faire. Si tu veux te créer un monde à toi, c'est ça qu'il faut faire. Faut que tu t'en viennes à ton Eanna à toi avec tous les rajouts qui sont faits. Tu prends un monstre à la con, tu lui rajoutes des trucs qui le lient à ton monde. Ouais, donc niveau organisation, on s'y perd aussi un peu parce que justement, ça a ce côté encyclopédique et puis voyage à lire, mais du coup, ça a moins le côté boîte à outils que des. Par exemple, dans le bouquin des créatures, c'est pas du tout rangé alphabétiquement, ça va être rangé. Enfin, il y a un sous-rangement alphabétique, mais déjà, tu vas voir par thématique régionale, tout simplement. Et j'étais pas du tout parti en fait pour parler 15 jours de dragon, donc je me calme. Le seul truc sur lequel en fait j'ai un petit peu râlé les pieds, c'est Fora Draco, qui je pense quelque part va leur être sûrement un succès de vente, vu que déjà c'est Ingrid qui l'a fait, c'est le papa des Royaumes Oubliés, et il a fait 15, enfin c'est un grand nom, hein, il a fait 15 millions de suppléments pour ADD, ouais, c'est un monsieur qui est très connu dans le DD Game, et j'avoue c'est pas son meilleur scénario, voilà. Une intro que je trouve un peu, des fois un peu légère, il y a un côté les méchants ils laissent leur carte de visite, littéralement, carte de visite qui vont emmener directement tes joueurs au bon endroit où il y a les méchants, avec des méchants qui en plus ont du goût, t'as envie de dire rien, on aurait pu bien en faire quelque chose, mais comment ils sont emmenés, il y a des moments rigolos, du genre bon, voilà, on fait des kidnappings, on est super dangereux, on lâche des monstres sur les gens qui viennent tourner vers nous, on empile des cadavres à l'entrée de chez nous, mais quand on rentre les aventuriers, on fait ah, chers aventuriers, vous n'avez pas compris, nous sommes en fait des vrais gentils car nous avons des buts nobles et tout. Ça aurait pu être super bien fait. Ceux qui auront lu le scénar vont comprendre si effectivement il n'y avait pas tous les panneaux clignotants avant on est des méchants. Et si les gars qui étaient kidnappés, ça reste vas-y MJ, faisons ce que t'en veux, tu les fais réapparaître en mode non, non, mais en fait ils ont raison, voilà, il nous est rien arrivé de mal, on nous a expliqué les buts du dragon machin et c'est vraiment trop bien. Rassurez-vous, aventuriers, nous allons bien. Et là, du coup, effectivement, il n'y a plus de kidnapping, il n'y a plus de rien, et vous aventuriers, aucune raison de ne pas les croire. Enfin, il y a moyen de les prendre au jeu. Mais le coup du on est des gentils, quand, à part qu'on n'a pas le pendentif bas de méchant collé autour du cou,
Et puis le dernier point, le point génialissime de ce scénario, j'oserais dire, il arrive en page 27 en mode tiens, si tu veux MJ, tu rajoutes ça. C'est pas si je veux MJ, je rajoute ça, c'est excellent. L'intrigue de fond, c'est une secte sur les qui va une secte draconique, en fait manipulée par des bandits, mais en fait manipulée par un monstre. Et au final, en fait, tous vos aventuriers vont peut-être avoir comme mentor pour cette aventure un fantôme dragon qui habite vraiment dans le donjon des méchants et qui aime pas les méchants. Et là, enfin, t'as vraiment un truc, oui, pour faire quelque chose de rigolo. Partir avec l'aide d'un dragon fantôme à la chasse de faux cultes draconiques manipulés par des bâtards. Enfin, là, on tient à quelque chose de rigolo. Mais je veux dire, bon, c'est la dernière page. Voilà. C'est la dernière page du bouquin où on dit ah si tu veux en plus il y a ça, juste avant les stats, les annexes, voilà, hop, suite. Juste ça, putain, un petit texte qui dit ouais mais en fait il y a vraiment un fantôme dragon que tu peux faire intervenir toi MJ. Ah mais ouais mais putain mais fais-le intervenir. Donne de l'originalité à ce scénario, fais-le intervenir. Et puis tu arrêtes que les méchants laissent leur carte d'adresse. Enfin, quand t'es un méchant, que t'es même pas encore un super balèze méchant, tu laisses pas ta carte de visite aventurier, venez nous péter la gueule ici. Parce que bon, c'est leur sigle, ouais, c'est leur sigle. Leur sigle, leur sigle, c'est littéralement dans l'avant. Bon, de toute façon, je suis parti dans les spoils. Leur sigle, c'est on a repris le blason de la famille machin dont on squatte le château. Mais en plus, on n'est même pas lié à la famille machin, à part qu'on squatte le château. Donc voilà. Bon, c'est une enquête, mon petit poney. Sorti de ça, bah, c'est un plug and play parfait. Tu l'achètes à 14, hein, t'as fini de le lire à 15h30, t'as fini de te faire tes films à 16h, tu fais jouer tes joueurs le soir. Et en plus, les joueurs vont aimer. Parce que tout ce qu'en tant qu'MJ, moi j'ai envie de dire incohérence, les joueurs, bon, si tu brodes pour eux, ils vont pas s'en rendre compte. Exemple tout con, hein. Mais donc le gros méchant monstre fait boire, donc le boss de fin, fait boire des potions à ses serviteurs pour que s'ils sont stressés, ils deviennent fous. C'est fait en fait pour que si vos aventuriers en capturent, ben en fait ils balancent pas. Enfin, que les méchants capturés balancent pas les plans des méchants pas capturés. Seulement en fait, une potion qui tout d'un coup te rend cinglé dès que tu es sous une situation de stress, quand avant tu peux affronter des troupes d'aventuriers déchaînés qui veulent te faire passer des boues métalliques de 2 mètres au travers de la tronche, ça te stresse pas. Ce qui te stresse, c'est quand ta vie n'est plus en danger, que tu es capturé, qu'il faut dénoncer le reste du groupe. Ben, ça peut être valable pour des fanatiques surentraînés, mais en l'occurrence, là, on a plus une secte de branquignoles au début. C'est voilà, un des ressorts du truc, c'est que les sectaires qui vont apparaître comme les gros dangers pour vos aventuriers, en fait, c'est des bouffons qui sont manipulés par des brigands. Ce qui est rigolo, mais du coup, enfin, il y a plein de petits trucs comme ça où, MJ, tu faudra que tu juges si ouais, ça reste à ta table, ça passe ou pas, enfin voilà. Moi, je l'ai fait jouer en fait à Juste Olivier et puis Morty, et ils m'ont torché le truc. Ils sont passés par des angles pas possibles. Enfin, c'est rigolo. Si un jour je fais du Foradraco spécifique, j'en parlerai. Mais voilà, donc Foradraco, j'en parlerai tout simplement parce que c'est le truc qui, à mes yeux, est le moins bon de tous. Voilà. Les trois autres scénars sont beaucoup, beaucoup plus intéressants. Et je trouve, même si on part, on va prendre un objet magique qui est très représentant des Anna, ouais, par exemple, je ne serais pas d'utiliser en d'autres cas de DD5, des menottes anti-magie. Bon, bah ça, c'est dans l'univers de Dragon, c'est incorporé, il n'y a pas de souci, ils en tiennent compte. Il y a des ondes anti-magie dans tous les sens, c'est possible, enfin, c'est voilà. Mais tu fais jouer ça dans les royaumes, mais jamais je fais popper dans les mains de mon groupe d'aventuriers, et là, vous avez des bracelets super faciles à passer auprès de n'importe quel mage pour que le magicien d'en face, il perde ses pouvoirs. Non, c'est faire rentrer des objets anti-force dans Star Wars, c'est beaucoup trop. Voilà, ça met trop le bazar. Ça, par exemple, sur du DD compatible, bah ouais, c'est super DD compatible et ça mord le goût des royaumes oubliés. Mais par contre, ouais, ça, il faut le virer. Voilà. Et je vais finir par ce que je voulais commencer, en fait. Quoi, ça fait déjà des plombes que je parle pour rien. Donc oui, en ce moment j'essaye de faire un truc sur La Jetée, un magnifique film artistico-science-fiction, si tu l'as jamais vu, va le voir, c'est ce qui a inspiré les 12 singes en fait, hein, ni plus ni moins. Regardant La Jetée, je dis, oh mais c'est l'histoire des 12 singes, bah ouais, les 12 singes c'est dédié à La Jetée, les 12 singes c'est une réécriture de La Jetée en version voilà, plus grand public. C'est La Jetée, c'est des images fixes, hein, noir et blanc avec un discours derrière. C'est pas du cinéma classique.
le réalisateur, enfin, il est photographe, il est documentaire, il est, enfin, c'est voilà, c'est une tuerie. Mais La Jetée, c'est vraiment aussi le délire SF de la question du voyage dans le temps. Alors, dans le voyage dans le temps, il était une fois où bah, tu te casses pas la tête parce que tu t'en fous, il y a Dieu. Et puis Dieu, il peut toujours régler les problèmes. Mais sinon, je voulais vous montrer les deux exemples qui, à mes yeux, deux scénars, qui sont en l'occurrence Medfan, jouent bien avec le temps. Tatin! Le Chronolithe de Monsieur Mieudan et Invincible de Chronique Oubliée. Alors pourquoi je les trouve bons? Tout simplement parce que dès que tu fais des scénarios spatio-temporels, c'est tout de suite le bazar, t'as le problème des paradoxes, t'as le problème. Enfin voilà, t'as des tas de trucs comme ça qui te mettent tout en l'air. Alors que ces deux aspects de je prends la question, la problématique du temps, règlent un peu tout. Dans Voyage dans le temps, tu vas voir quoi? Tu as Retour dans le futur, qui est la porte ouverte pour que vos scénarios explosent en plein vol, vu que ce que tu fais dans le passé alterne ton futur et la causalité du futur et que ça devient tout de suite un gros plat de spaghettis absolument illogique. Tu as la version Dragon Ball, qui en fait, quand on retourne dans le passé, mais on retourne pas dans le passé, on va dans une dimension parallèle qui est en retard par rapport à toi. Ce qui fait que bah, pour les gens de cette dimension, ils sont contents d'avoir des infos sur le futur. Mais que pour les gens du futur, ça change strictement rien à leur histoire et que tu as envie de dire, mais alors, du coup, pourquoi il retourne dans le passé? Trunks dans Dragon Ball, ok, il va retourner dans le passé pour prévenir une autre timeline qu'il va avoir un problème. Alors, déjà, pourquoi il ne fait pas tout le tour des timelines, hein? Il en sauve qu'une. Et puis ensuite, tu as le côté, bah oui, mais lui, ça ne change strictement rien à son futur. Parce qu'on va me dire, oui, mais il devient plus fort, il retourne dans le futur, il casse la tête au problème. Oui, mais enfin bon, il aurait pu aller sur une autre planète, recevoir un enseignement. Mega Maitoshi plus fort qui revient, qui se casse des dents. En fait, à partir du moment où ton passé parallèle devient qu'une zone de ressources, n'importe quelle autre zone de ressources est valable, hein, loin dans l'espace, Maître Yoshi perdu dans une grotte, enfin ce que tu veux, en fait. C'est juste une zone de ressources. Et ce qui fait que si tu voyages dans des dimensions parallèles qui sont en retard par rapport à toi, l'impact, tu l'as par rapport à cette dimension de voyage, non pas par rapport à ta dimension d'origine. Ce qui ôte beaucoup l'intérêt du voyageur, hein, en l'occurrence. Pourquoi faire voilà, un tel effort? Et on a ces deux petites choses. Alors, le chronolithe, vous me direz, c'est presque pareil, ces histoires parallèles. Oui, mais pas exactement. Dans le chronolithe, on va être dans le délire où, en fait, ta trame temporelle, quand elle est perturbée, c'est des échos du passé. Donc t'as pas le problème de paradoxe qui fait que quand je change le passé, bah, je change ma causalité qui fait que je peux pas faire ça maintenant parce que le passé n'a pas été ça, donc hop, paradoxe zut. Non, c'est juste en fait, bah tu changes pas du tout le passé. Voilà. Et c'est pas un truc où justement, c'est là la différence en fait entre le chronolithe et Trunks. Dans le chronolithe, c'est pas toi qui vas investir un voyage. Le côté Trunks, ça marche super, et puis ça évite tout imbroglio dans le voyage temporel, quand c'est traité comme le chronolithe, quand c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui a été choisi et voulu. D'où d'ailleurs, Trunks, il n'a aucun intérêt d'aller voyager dans ce passé, il aurait pu aller voyager ailleurs. Bah oui, en fait, à partir du moment où le voyage dans des dimensions fractales, dans des échos de ce qui a été, dans des dimensions parallèles en retard, t'appelles ça comme tu veux, n'alterne pas ton passé. T'as pas des masses de raisons d'y aller. Ou alors les Avengers, tiens, on va aller choper ce qui nous manque. C'est ça, c'est des zones de ressources. Donc ça peut être exploité en tant que zone de ressources comme dans Avengers ou dans Dragon Ball, ou ça peut être exploité comme dans Chronolith, un truc qui tombe sur la gueule de vos aventuriers. Et à partir de là, tu règles tout problème de paradoxe en disant, ben c'est pas notre passé, voilà, c'est un passé. Mais du coup, on va me dire, oui, mais du coup, on n'est pas vraiment dans le voyage dans le temps. Je dirais, t'as pas tort. La seule bonne manière, selon moi, et du coup, c'est pas mal, parce que c'est comme ça que je préfère dans les univers de SF, le voyage dans le temps, c'est ce que donne Invincible, mais c'est ce que va faire aussi Universal War, à savoir que le voyage dans le temps est déjà la somme de tous les voyages qui se sont passés de tout temps. Ce qui fait que la causalité n'est jamais perturbée, puisque le passé comprend déjà les voyages du futur. Et pour tous ceux qui, j'en ai quelques-uns qui m'ont dit, mais non, il n'y a pas ça dans Invincible. Il y a ça dans Invincible. C'est pour ça qu'en fait, dans la première aventure, le larbin du méchant balance au gentil, mon maître vous reconnaît. Parce que les gentils qui ne sont pas encore dans leur futur, partis dans le passé, rencontrer le dragon qui les reconnaît, bah si de tout temps, en fait, ils sont déjà allés dans le passé, rencontrer le dragon qui les reconnaît.
Et il les reconnaît parce que, bah, en fait, ils ont déjà voyagé dans le futur. C'est une causalité future. Mais en fait, tu peux pas y échapper. Voilà. Un principe respecte ce qu'on appelle la boucle temporelle d'airain, le fait que bah, si tu poses le concept de voyage dans le temps, soit tu as la problématique du la causalité complètement foutue en l'air et c'est la merde, pas de réel voyage, donc pas des trucs du genre Escape, Dragon Ball ou le chronolithe. Si tu peux vraiment toucher ta propre causalité, tu ne peux pas l'altérer. Sinon, c'est le bordel des paradoxes et ça peut être rigolo, mais c'est comment faire exploser un scénario en vol. D'un autre côté, faire quelque chose de qualité, et moi c'est difficile parce que tes joueurs déjà peuvent vite vite gueuler. Ouais, mon Dieu, c'est ultra-dirigiste! Parce que oui, c'est ultra-dirigiste. Vous avez prévenu le futur du passé, et que même si ce futur ça leur renvoie dans leur propre passé, enfin voilà, tu sais, ce scénar, ce type de scénar a le problème d'être extrêmement difficile à manier en laissant des marges de manœuvre à tes joueurs et qu'ils aient pas envie de te lapider, qu'en fait ce sont des marionnettes entre tes mains. Et pour ça, bah, il faut des scénarios qui, d'une certaine manière, leur laissent pas de chance, mais leur laissent des marges de liberté. Et c'est pour ça qu'Invincible, eh bien, c'est pas parce qu'on va poutrer un gros dragon, c'est parce que en tant que scénario temporel, il est du type je suis inattaquable. Même les moments où les joueurs peuvent avoir un doute que le passé bascule, non, le passé ne peut pas basculer. Mon maître se rappelle de vous. Voilà. À partir du moment où cette phrase est lâchée, les lois temporelles d'Invincible sont mises. J'oserais dire, si vous avez des amateurs de SF à table, à partir du moment où vous dites ça, ils auront complètement compris tout le scénar. C'est la petite phrase, par exemple, vous m'avez à ma table, là, enfin, je suis joueur à votre table, vous me dites ça, c'est bon. Voilà. Ok, le temps ne va pas pouvoir s'altérer, va avoir des voyages dans le temps, et en fait, lui, on va aller le combattre. Mais on va pas régler le problème. Que nous arrive-t-il? En fait, bon, ça me permettait de. Ah, Invincible, c'est du très bon. Ah, c'est qui l'auteur? Qu'on lui dise bravo quand même. Auteur, Laurent Crégon, Bernanowski, Crégon. Eh ben, Crégon, il nous a fait un scénario de voyage dans le temps qui est irréprochable et où il y a des vrais voyages dans le temps. Après, si vous, en tant qu'amateur de SF, c'est une vision du voyage dans le temps qui vous fait chier, eh ben vous avez complètement, enfin c'est votre droit. On ne sait pas comment le voyage dans le temps marche pour de vrai, donc en fait, on n'en sait strictement rien. Est-ce même possible? Bon. Donc, voilà, ouais, vous avez le droit, faites ce que vous voulez. C'est juste que, perso, ce qui m'a toujours fait mis des gros freins, enfin ce qui pose problème dans les tentatives de scénarisation de voyage dans le temps, c'est tout ce qui est paradoxe. Avec ça, on s'évite tout paradoxe possible parce que le paradoxe, en fait, n'existe pas. Tout ce qui sera a été. Voilà. Tu découvres le temps et tu as l'impression que ça avance quelque part, sauf que c'est comme si la barre métallique qui représente le temps, voilà, elle existait déjà, elle. Hein. C'est juste toi, tu es la petite bille qui la parcourt et ton instant présent fait que tu la découvres. Mais toute la causalité de tous les voyages ont déjà été faits. Donc rien ne peut être altéré. Et il y a le côté de la fatalité que tu te prends tout de suite dans le coin de la gueule. Hein. Enfin bon, j'arrête parce que c'est le genre de truc où je peux vite partir et puis me dire ah, allez voir Étienne Klein. Mais oui, la seule vraie question, le seul vrai problème quand tu commences à triper sur les voyages dans le temps, c'est les paradoxes. Et donc, t'as pas 15 millions de manières. Soit t'as un univers qui peut le faire, puis après tu tripes, l'univers explose ou l'univers est assez souple pour résorber tous les paradoxes. Soit en fait, aucun paradoxe n'est possible parce que le temps n'est pas un bac à sable. D'un autre côté, il y a par exemple aussi les petites options des auteurs balèzes qui tout d'un coup tapent un délire. Je pense ça s'appelle les Tommy Knockers, je crois, de King, son bouquin là où il délire justement qu'il y a un avion qui se trouve décalé dans le temps puis qui se retrouve dans ce qui est véritablement le passé, au sens c'est un monde qui a complètement perdu ses couleurs et où les anticorps du temps bah, viennent tout dévorer parce qu'il n'y a que l'instant présent qui existe. Et puis voilà, puis tout le reste est voué au néant. Donc on n'est plus du tout dans une thématique normale de voyage dans le temps, mais on est quand même sur artistiquement quelque chose de. Bah, voilà, King. Bon, pas commencer à faire ouais, King, c'est pas bien. À un moment, je vais apprendre à rester à ma place. Bon, sur ce, je vous laisse parce que Mortier, elle a fini sa sieste. On va aller se faire notre petit dimanche. Salut les gens!